bien, salut à toutes et à tous, il est 8h du matin, comment ça va les amis? Toujours sur... ouais, en compagnie de BXNO. En compagnie de BXNO sur Tiki Summer. Eh, tu viens de parler de toi à la troisième personne, hein. Ouais, c'est incroyable. C'est un peu narcissique. C'est beaucoup narcissique, comment ça va? Je vais bien et toi? Bah, je vais très très bien, il s'est passé pas mal de choses en off, on va très rapidement résumer. Voilà, merci pour le mot, je trouvais pas mes mots, mais je... merci. De rien, avec plaisir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on a fait reproduire des moutons, d'accord? Et on a ramené des poules. Alors, attends, elles sont où les poules? Là, il y en a une avec une tête de con, là. Attendez, juste là, derrière. On a ramené des poules, sauf que... BXNO a tondu des moutons. Alors, ceux qui ont de la laine, c'est ceux qui sont nés, en fait, hein, c'est les bébés moutons. Mais en fait, Vous voyez, le problème, c'est que la laine ne peut pas repousser, il faut qu'il broute de l'herbe. Du coup, on est un peu con. On est un peu con, mais on est un peu intelligent. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait... Alors, c'est temporaire, on enlèvera quand ce sera bon. Hein. On a fait tout un chemin de terre. Et vous inquiétez pas, ça va marcher. Hein. Faites-nous confiance. Ça va marcher. On a fait on a fait un chemin de terre pour relier à l'herbe, en fait, juste ici. Et en plus, ça fonctionne parce que ça avance. Oui, parce qu'avant, l'herbe, elle allait jusqu'ici. Et là, c'était de la terre qu'on a rajouté nous-mêmes, vous voyez. Et donc... petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, et petit à petit, l'herbe, en fait, va se propager, ça va prendre son temps, hein. Je pense qu'à l'épisode 100, ce sera bon. et l'idée, c'est que, tout non, simplement... Non, ouais, ça avance. Non, ça avance, et puis ça va aller assez rapidement, en plus. Donc, c'est plutôt sympa, et l'herbe, voilà, l'herbe va arriver jusqu'à l'enclos, et donc, les moutons vont pouvoir brouter l'herbe et faire repousser leur laine. De la laine. Voilà, et donc, on va pouvoir les tuer, avoir de la nourriture vraiment bien, et puis surtout avoir de la laine. Et pour faire donc du coup des trucs assez sympas avec le mode Tropicraft, parce que voilà. Tropicraft. T'es une cafteuse. BXNO c'est une cafteuse, hein, c'était un lapsus. Donc voilà. Aussi autre chose qu'on a fait en off, enfin que j'ai fait en off avant que tu dises ce que t'as fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a retrié un petit peu les coffres. À savoir ici, on a tous les trucs un petit peu importants, genre le bloc de diamant qu'on a récupéré, les minerais, les livres, de l'obsidienne. L'obsidienne qu'on a looté sur les. Sur les ogres, pardon, excuse-moi. Merci. Ici, tout ce qui est bloc, un peu en bordel, ça n'a rien à faire là. tu arrêtes. Puis là, c'est le bordel. Mais voilà, juste pour dire qu'ici, il y a les blocs et ici, les minerais, les trucs un peu importants. Et BXNO, qu'est-ce que tu nous as fait en off? Alors moi, déjà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai planté cet arbre là pour qu'on ait un peu de bois pour faire du charcoal plutôt que d'aller miner tout le temps du charbon en mine. Voilà. J'ai agrandi ici les plantations de blé. D'ailleurs, aller jusqu'ici pour avoir de l'eau un peu partout. C'est génial. Elle va nous faire un pont pour aller au Nether. Exact. Et c'est tout. Et voilà. Ah non, je me suis fait une petite canne à pêche pour pêcher du poisson, en fait, pour qu'on ait un peu plus de nourriture. Même si en fait, ça prend grave du temps. Ouais. Autant faire reproduire les moutons. Et puis voilà. Mais sinon, tu veux que je t'apprenne quelque chose peut-être? Non. Bah, en fait, il y a des vrais poissons. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc si jamais... Finalement, ça serait plus rapide que de... que d'aller chercher du poisson que de le pêcher, mais bon. C'est pas... Bah, après, c'est faisable aussi, tu vois. C'est bien. Ouais. Ok. Donc voilà. D'ailleurs, à noter, alors oui, pourquoi t'as fait un arbre aussi? Enfin, pourquoi t'as pris une pousse d'arbre? C'est aussi surtout parce que, regardez, les beaux arbres et tout, on n'a pas trop envie de tout casser, quoi. Ouais, voilà. C'est pour ça aussi. C'est une grosse raison. Après, voilà, comme dit, il y a plus, des. C'est chiant à casser, on va pas se mentir, c'est chiant à casser. La souche, c'est horrible. C'est ça, c'est surtout chiant. C'est surtout chiant. Arrête, se moque de moi. Ah, il t'a rebouché. J'avais pas vu. Parce que c'était un peu trop chiant. Voilà, parce que du coup, comme elle vient de le dire, les souches, en fait, le bois, il est souterrain, profond et tout. Donc, remarque, c'est sympa, mais. Hop là. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour cet épisode? BXNO, je t'écoute. Alors, il y a deux épisodes de ça, on a trouvé une petite énigme dans les cavernes. Voilà. Et on va y aller, on va essayer de la résoudre. Ouais, essayez, on n'a pas dit qu'on allait là. Non, mais on va trouver. Oui, je pense. Sachant que donc Firestorm, donc celui qui a édité la map, hein, on t'embrasse bien évidemment, hein, voilà. On va l'appeler de nouveau, comme dans le dernier épisode. Ah oui, ça c'était magnifique, voilà, c'est celui qu'on a appelé dans le dernier épisode. Il nous a donné des indices. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, pardon. T'as juste pêché un poisson, c'est ça? Non, en fait, je pensais que j'avais pêché un truc de ouf qui avait rien à voir avec le Minecraft normal, mais en fait, c'est juste un crochet. Quoi, un crochet? Ouais, tu sais, les crochets, quoi. Les crochets? C'est là où t'accroches les ficelles et tout.
Là où t'accroches les... Ah, les crochets. Ouais, non, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je savais même plus c'était quoi, tu vois. Ok, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bah du coup, il nous a donné un indice à propos des petits de... indices. Enfin, ouais, un indice. Juste un, ouais, faut pas déconner non plus. Hein. Ouais. Donc, on va voir ça ensemble. Mais d'abord, on va dormir et puis... Exact. Waouh, le soleil, il éblouit, c'est magnifique. Waouh, on dirait moi. Voilà, j'ai l'impression d'avoir BX Snow pile devant moi. Waouh. C'était pas ce que mignon, mais... Non. Bah si, c'est mignon. Oui. Oui. Du coup, on va y aller. En tout cas... Ouais. On espère que cette série vous plaît. Alors j'allais dire vous plaît toujours autant, mais en fin de compte, on sait même pas ce que vous en pensez parce qu'on tourne à la suite. Enfin, on prend de l'avance. Ah. Ouais, t'as un lit sur toi juste parce que je préfère c'est demander bon, maintenant. Tu as raison. Parce que, tu voilà, as raison. Quoi, toi aussi, t'as un lit sur toi? Ouais. Hein, parce que t'es un boulet, donc bon. t'as fait la démonstration. Ouais, tu l'as quand même fait deux fois ton coup. Hein. Ouais. Ok, donc, c'est parti. Puis me permettre. T'es pas obligé de le rappeler, hein. Bah, t'es où? Bah, tu vas où, toi? Tu vas où? Mais moi, j'étais devant la base, je savais pas dans quelle direction il fallait aller. Pardon. Fais gaffe, il y a une gueule, ça pique, hein, voilà. Ah oui. C'est parti. Et attends, par contre, j'ai des frises là, c'est. Oh ah. Non, et j'ai beaucoup trop de frises. C'est vrai? Ouais. Tu veux qu'on fasse une ellipse? Ouais. Vas-y, on fait une ellipse. C'est bon? Ouais, c'est parti. Ok, ok, nickel. On va direction le donjon. Ouais, allez, les squelettes, on se calme. Ils sont relous, hein. Ouais, mais on s'en fout, on les ignore. Ah, ils meurent. Putain, ils font des cris atroces. Oh, j'entends les loups-garous. Non, mais j'en ai tué un, enfin, allez. C'était un homme. Ah, d'accord. Putain, mais ils font des cris atroces, hein. C'est terrible. C'est horrible. Terrible, ouais, c'est ça. C'est le mot. Oh, regarde, et j'adore les limaces, regarde. Ça me donne envie de me frotter à elle. Oh. Pardon. Aïe. Pardon. J'ai pas fait exprès. Ok. Mais attends, on est d'accord, attends, c'est bien. Il y a un creeper à côté de toi. Quoi? Oh. Oh, les œufs. Voilà. Ah ouais. Bien vu. Les petites structures aussi, il va falloir les casser parce que si on peut tomber sur des blocs de diams, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, est-ce que c'est dans toutes les structures, tu crois? Je sais pas, mais autant vérifier. Hein. Tant qu'on y est. Là, il y a de la glowstone, tu vois ce que je te disais? Ah, glowstone. Dis-moi que tu tombes sur un bloc de diams. Et c'est par terre? Enfin, tu l'as trouvé dans le sol, ton bloc de diams, ou pas? Non, il était... En fait, il était dans les glowstone. Genre okay. au milieu. Là, il y avait que deux glowstone, donc je pense pas qu'il y ait quelque chose. Hein. Ok. Sinon, il y en a une autre, là, juste à côté de... Mais j'ai plus le... Ah, il est là, waypoint. J'ai eu peur. Ok. Là, ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose... Enfin, pas forcément. Oh merde. Non, ouais, mais je pense pas chez moi. Ouais. Bon, bah c'est bon. Je vais mettre des blocs. Comme ça, je peux monter tout en haut. Ouais, vas-y, je te regarde. Cette série... Non, j'allais dire cette série. Cette map est belle. Non, y a rien. Oh putain, j'ai cru que t'étais en train de dire le contraire de ce que je disais. Eh moi, je dis, cette map est belle. Non. Non, cette map est moche. Là, moi, j'ai le waypoint du donjon, donc il est juste en dessous. Oui, oui. Mais là, ah bah oui, moi aussi c'est vrai. Mais la mine du coup elle est là. Où ça? Bah à l'entrée je veux dire. Alors. Mais comme dit c'est juste à l'entrée hein, donc. Attends, on en a vu juste le shader direct? Ouais, bonne idée. Comme ça, pas de. Hop. Option, vidéo setting, shader off. 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 Off course. C'est ouais. Drôle, ça. Je suis un anglo humoriste. Un anglo humoriste. Et Maria, il y a même du bois là? J'avais même pas vu. Ah bah oui. Wesh. Mais je crois que j'avais vu... Un gros diamant. Oh, oh bah. Il a rajouté. Oh non, dommage. Oh. Ouais, parce que c'est pas nous qui l'avons tué, du coup il a pas loot. Et les mecs, attends juste, c'est un peu le zbeul et j'ai encore des problèmes de luminosité. Voilà, c'est bon. Allez, hein. Oh, bien joué. Est-ce que t'as récupéré son chapeau en le tuant de loin? Je sais pas. Ah. C'était une question que je me demandais. Il y a encore des... Oh, viens, on se fait un CD. Hein? Attends, il y a moyen de se faire un CD. Oh, vas-y, shoot le creeper, mec. Attends. Ah ouais, bon, ouais, fuck. Fuck le CD. Sur moi, là. Allez. Voilà. Oh. Voilà, c'est bugué, hein. Ah bah voilà, attends, je te rouvre. bah du coup, tu pourras m'ouvrir alors de l'intérieur. Là. Ça me touche.
Merci. Ok. Alors, les amis, tout a commencé ici. Quel est l'indice d'Arthur? Arthur, il avait dit que c'était en rapport avec toi, ta chaîne, je crois, non? Donc c'est ça, ce qui me fait rire, c'est que BXNOW, elle suggérait justement, donc c'était l'épisode, c'était quoi? C'était quel épisode, je sais plus. Ouais. Ouais, c'était il y a deux épisodes de cela, quoi, et tu m'avais suggéré que c'était en rapport avec moi, mais pour moi, genre non, pas du tout, mais en fait si. Ouais. Du coup. Et tout a commencé ici, ben logiquement c'est genre ta première vidéo ou la création de ta chaîne, un truc comme ça. Ou ma date de naissance, je sais pas. Bah. Ah, mais alors c'est facile! Oh, mais c'est facile! J'ai compris! Regarde! Regarde! Oui. C'est soit. Alors, ça, c'est le jour. Soit le 22, soit le 16. Jusque-là, d'accord. Ensuite, ça, c'est le mois. Donc, c'est le 5. Janvier, février, mars, avril, mai. Et là, regarde, 2000, ça commence par un 2. Ensuite, 0. Ensuite, un 1. Et ensuite, un 4. 2014. Genre, le 2014, je l'ai vu direct. Donc là, c'est. Voilà. C'est soit le 16, soit le 22 mai. Le 16. En fait, je t'avoue que j'ai regardé en off. Ah, tu le savais pas. Mais attends, parce que du coup, si je puis me permettre, il y a un problème avec celui-là, quoi. Ah ouais? Parce qu'en fait, t'as créé ta chaîne en janvier et ta première vidéo, c'était en février. Ah voilà. Mais alors, si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Ça se trouve, c'est encore autre chose. Ouais. Ça se trouve... Bah, non, je sais pas. Ça se trouve, c'est en rapport avec quelque chose que j'ai commencé. Ouais, c'est vrai. Ou un truc qui m'a fait connaître, je sais pas. Bon, peu importe. Donc pour toi, c'est ça. Ouais. Ok. Et donc là, on fait. Non, attends, confirmer. Mais c'est quel bouton qu'il faut appuyer? Je sais pas. Vas-y, confirmer. Confirmer. Non. Non, mais je Et crois là que... Bah, ça va ouvrir le bouton. La porte, je pense. Ah, bah, c'est pas ça. Ça ne marche pas. C'est pas ça, donc. Okay. Mais alors, donc, ouais, vas-y. Bah, non, mais c'est pas logique. Ça... T'as déjà vu un mois en 42? Oh, je vois des mobs là-bas, par contre. Ouais, ouais, bah regarde ta map en haut à droite. Oh, ça va être le zbul. Bon, bah vas-y, alors c'est le 22 mai, alors. Ça peut que être ça. Vas-y. Yes, c'est ça. Bah, mais pourtant, je crois... Alors, que... j'aimerais bien que des abonnés... Mais il y avait quoi, le 22 mai? Je sais pas, mais tout a commencé ici, hein. T'as sorti Minemios, c'est Minemios, non, qui t'a fait décoller un peu? Oui. Franchement, faudra voir, on regardera. N'hésitez pas en commentaire à dire vos suppositions. Et puis, on est parti alors. Attends. Oh là là, j'ai trop peur. Oh, il y a du parcours, c'est trop cool. Oh non. Moi j'aime. Hein. Par contre, Log, il va tout péter. Hein. Shoot-le de loin. Ouais, bien joué. Oh putain, t'es trop fort. Eh, hey, BXNOW à l'arc, franchement, c'est une tuerie. Hein. Eh, faut pas qu'ils explosent par contre. Voilà. Viens, faut vite torcher. Oh, mais il y a un spawner. Créole... Hey, putain, attends, c'est énorme. Regarde comment il s'appelle, les squelettes. Comment? Créo le gardien. Eh, il se casse pas. Oh, le bâtard. Bon, faut le torcher. Et par contre, ça fait grave des niveaux. Oh, ouais. C'est énorme. C'est cheaté. Attends, hop. Oh, eh, c'est une usine à XP gratuit. Oh, merci. Mais il a pas en fait plus, exprès, je suis sûr. En plus, tu vois... Ben... putain, j'arrive Dis-moi, plus à parler. Extreme génial. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu vois, genre les livres qu'on a récupérés pour l'arc. Ouais. Ben, il faudra bien. Enfin, j'aimerais bien les mettre sur mon arc Power 5 là. Ouais, bah oui, on va les. Et on il faudra grave des niveaux et tout. Nickel. Vas-y. Je te laisse passer devant. Donc là, c'est du parcours carrément. Moi, je suis trop une merde en parcours donc. Oh, il y a un coffre en haut. Mais là, il faut faire quoi? Mais là, ça passe pas là. Oh, j'arrive même pas à faire le premier truc, donc... Ok, hop. Oh non, c'est chiant. Ok, faut faire gaffe, hein, par contre, pas trop se pousser. Ouais. Hop, ça va le faire, hein. Ok. Non. C'est là que c'est compliqué. Mais ça passe pas, là. Mais un truc que je comprends pas. Attends, je regarde juste la map. Vas-y, je te laisse passer. Je regarde juste la map. Ah, mais c'est ça. En fait, c'est ça la structure qu'on a vue en minage opti alors. Les points, les trucs jaunes. Ouais. Ah. Moi, je pensais. Bah, parce que je t'ai dit en off, moi, je pensais qu'en fait, ça nous accéderait peut-être au monument des totems, tu sais. Ouais, je vois. Mais pas du tout. C'est juste un parcours avec un coffre au bout, quoi. Non.
Mais il y aura peut-être une info sur ouais. le truc des totems. Ouais, il y a moyen. Faudra qu'on commence sérieusement à le trouver, histoire que... Parce qu'à la base, c'est le but principal de la série, quand même, trouver les 3 totems. Ouais, j'avoue. Oh, merde, j'ai failli te pousser. Attends. Il me saoule, hein. Ouais. Pourtant, c'est pas compliqué, hein. Mais c'est une blague. Et là, on aurait morph. Et si ça fonctionnait. Ouais, j'avoue. Attends, viens pas encore. Ah. Bah ouais, parce que là, fallait que t'enchaînes ouais. les sauts. Mais wesh. Néo. Fais un spawn point. Excellent. Je te regarde, hein. Courage. Faut pas oublier de sauter, hein. C'est drôle, ça. On peut pas se TP, genre, pour faire des checkpoints. Le cheat. Mais attends, mais là, il faut faire comment, concrètement? Oh ouais. Pardon. Oh oui. J'y suis. Attends, te TP pas en... Vas-y, TP toi, comme ça au moins, si jamais... Alors moi, je veux pas... Voilà, fais gaffe aux collisions, reste bien en sneak. Et essaye, regarde, mets-toi sur le bloc derrière. Là-bas, ouais, là. Ça. Celui-là, ouais, là. Ouais, saute dessus. Nickel. Alors, attention. Hop. J'y suis, voilà, vas-y. Nice. Voilà. Allez. Alex, notez la meilleure. On a rien vu. Ouais, j'ai réussi. Fais gaffe juste au coffre si jamais. C'est bon. Attends, regarde. Non, il y a pas de... En fait, quand il est piégé, il y a du. Merci BXNO de m'apprendre. Ah, il y a un totem. Oh, c'est exceptionnel. Pas. Moi non plus. On a le premier totem. Putain, trop bien. Eh, c'est quoi bon, ce crochet? Faut trouver le crochet. Regarde le coffre. Moi qui ah. C'est vrai. Attends, mais alors toi. C'est celui que j'ai pêché avant. Ok. Attends, on va le garder, ça peut être utile quand même. Hein. Eh, je suis sûr, on peut faire des trucs avec ça. Ah bah, un coffre. Et ça se peut, on peut avoir un briquet en pêchant. Eh, mais attends, mais en pêchant, on peut avoir du gravier et des trucs comme ça, ouais. Hein. Ah, ou un ouais briquet, je crois. Bah, je pense. Bon, eh, par contre, c'est incroyable là. On vient de trouver un totem. Bon, on n'a pas le monument, mais on a le totem. Oh. Donc, oh. Les. Eh. Pardon. Mais non. Excellent. Oh putain, regarde la tête du creeper. Ouais, j'ai vu. Attends, mais on va pas sacrifier le totem. Ou bien on va pas sacrifier ouais le totem. On va repartir, on va le safe. Obligé. Oh hey. L'amélioration. Oh là, Cryo, tu te calmes. Cryo le gardien, c'est quoi? Mais pourquoi t'as pété? Ah non, c'est à cause de moi. De quoi? Que... Qu'est-ce que ah, tu racontes? Non, ok, d'accord, c'est quand t'essaies de casser le spawner. Oui. Que respawn. Enfin, ça casse toutes les torches. Ah! Ok, ah, oh les gens, premier totem. Genre, franchement, personne s'y attendait, je pense. Non. Là, franchement, c'est énorme. Je suis trop content. Ah, ouvre-moi, s'il te plaît. Sésame, ouvre-moi. Hop. Non, pas ouvre-moi, c'est ouvre-toi. Oui. On se détend, hein. C'est un peu obscène. Faut que tu me protèges parce que c'est moi qui ai l'élément important. Ouais, t'inquiète, je vais être ton plus haut vigile. Par contre, je crois qu'il fait nuit, alors on va dormir. Hein. Bah, ici, ah, du coup. Ouais, go dodo. Ok. Et t'as plus ton casque? Non, tu m'as. Non, je crois que je l'ai. Bah, il a cassé. Ah, tu l'as perdu, non, quand t'es mort? Non, je l'avais, il a cassé juste avant, là. Ah, d'accord. T'inquiète. Ok. Oh, je suis content. Ah, moi aussi. Genre. On peut peut-être quand même réussir à faire tous les objectifs. Mais on va tous... Attends, ça veut dire quoi, ça? En fait... Ouais, je sais pas, mais non, mais parce que je trouvais que, genre là, depuis le début de la série, on n'a pas non plus fait énormément d'objectifs. Hein. Bah, on s'étale tranquillement. Ouais. Oh, là-bas, il y a un ogre. Sois pas pessimiste comme et ça. Et c'est un ogre vert, donc pas intéressant. Non, on a surtout un totem sur nous, oui. Allez, dégage. Ouais. Voilà, je fais ton vigile, hein. Eh, trop bien la poule là. Viens, je ton chapeau. Oh, c'est bon, BXNO là. Tu as un totem important sur toi et toi, tu fais quoi? Tu t'intéresses au chapeau. Ah bah, chapeau, hein. Sérieux, tout ça, hein. Chapeau, tout ça, hein. Excellent. Hello, coucou les amis, c'est BXNO. Allez. Coucou. BXNO, elle est toute décontractée. Moi, je suis tendu comme Jaja. C'est trop drôle, ok, c'est bon. Ah, c'est une zone safe ici, c'est cool, hein. Tu fais quoi là?
Tu fais quoi? Je regarde sur les... Et l'herbe, elle a avancé. Ouais, ça c'est bon, bien. Bah, Xno, t'as pas d'autres trucs à foutre, là, que de regarder. Alors, est-ce que je le mets dans mon Ender Chest ou je le mets dans... Vas-y, mets-le dans l'Ender Chest. Comme ça, on est vraiment Aussi. sûr. Ah non, c'est pas ça, l'Ender Chest. J'en Et peux plus. voilà, premier totem. Donc l'objectif principal de la série, c'est d'avoir les trois totems et de compléter le monument des totems, enfin le temple des totems, ça s'appelle même. Exactement. Donc on a trouvé un totem, faut aussi trouver le temple des totems au passage. Ça va être dur, j'ai l'impression. Ça va être dur. Mais du coup on a fait l'énigme, on a tout fait dans cet épisode, c'est incroyable. Ouais. Là on se quitte sur une note positive, hein. Ouais. C'est vachement cool. Et cet arbre est beaucoup trop grand. L'arbre qui a poussé, il est énorme. Ouais, c'est chiant pour les récupérer à chaque fois. Et on a encore de l'oxygène. Je suis en train de me faire une petite enclume en fait. Yes, ah ouais, vas-y, carrément. Bah tu vas faire les enchantements de l'arc? Ouais, je veux bien. Allez, ouais, je veux bien. Ouais, je veux bien. Alors, Je veux bien. on met ici. Voilà. Yes. Ah bah non, il me faut les livres. Ouais, ils sont là. La maligne. Et Attends, mais en fait, j'ai trop de bordel sur moi. attends, j'aimerais enlever mon waypoint. Du coup, ce qu'on va faire, remove. Ce qu'on va faire très prochainement, ce que je te propose, c'est qu'on se construise une petite maison sur la plage. Ouais, ça peut être une bonne idée, hein. Parce que déjà, c'est un objectif, et puis au moins, on sera plutôt sympa. Enfin, on est sympa là, tu vois, mais. Ouais. On va se faire une petite maison, ça peut être sympa. ah non attends d'abord je Infinity là sur J'ai une petite problématique, BXNO. dis-moi C'est qu'on a deux objectifs similaires. Enfin, on a l'objectif de construire une maison sur la plage, d'accord? ouais Mais on doit aussi gravir le volcan et faire une caverne pour s'y installer. Mais du coup, ça nous fait de base deux bases, ouais. oh non il manque quelques niveaux Combien? dommage il m'en manque ben en gros il faut 17 niveaux Bah, j'en ai, moi, je les ai. c'est vrai Ouais. Cool. Alors, hop, je te donne ça. Je te donne ça. Et je garde l'arc. Non, je... Arc de la tour. Ah bah tu veux la renommer? Tu veux la renommer peut-être l'arc? Bah, c'est l'arc de BXNO. La BX no arc. Attends, comment on dit arc en anglais? Bow. Bow. BX bow. Vas-y, je la renomme BX bow, ça te va ou pas? Si tu veux. Ah non, c'est pas beau, hein. Non, Pas non. bas On va la garder telle quelle, arc de la tour. Ok, donc Power 5, Infinity and Breaking 3, Punch 2 et Flame, hein, c'est ça. Ouais, si ça pète pas sa maman, alors je ne sais pas. Hein. Tiens, impec. Ah, je suis content que c'est BXNO qui est l'arc parce que franchement, entre elle et moi, vous le savez. Hein. Vous savez c'est qui meilleur. Impec. Eh ben Elle est écoute, où? je te l'ai Elle est donné. là. Oh là là, ça pète sa maman. Hé. J'ai envie de le tester. Ah, vas-y. Adieu. Oh, il me reste un cœur! Oh putain, me tire plus dessus! Oh yo yo, heureusement qu'il y avait l'eau derrière! Oh là 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 là! Il m'a resté un cœur! Un cœur! Un cœur! What the fuck? En fait, tu m'aurais one shot sans l'armure, hein. Voilà. Ouais, T'avais même pas besoin j'imagine. du feu. Oh yo yo. Bon, bah je te laisse Ça conclure, ouais. va? Sur la fin de cet épisode un peu épicé, Épicé, hein. ça convient, non, avec ce que je viens de te faire. C'est nickel. On espère qu'il vous a plu cet épisode un peu plus court que d'habitude, mais on a rempli un objectif et ça, c'est. Enfin, un objectif. On a Non, commencé. c'est un tiers d'objectif en C'est fait, ça. finalement. Bah ouais, carrément. Mais ça fait vraiment très plaisir. On avance, on s'élance. Du coup, sur cette note positive, on va se laisser ici. Si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner aux chaînes, à activer, pardon, les cloches de notification. Faut que j'arrête de. Hein Le watch time, il descend. Le watch time, il descend. À la prochaine, Ciao, bisous! ciao tout le monde.